Et je ne pourrais pas vous dire l'année, mais il y a au moins une quarantaine d'années, on venait ici, on avait joué. C'était les années 60. Oui, oui, oui. C'était... J'ai créé l'orchestre en les années 62, c'était les années 70. Et donc, on avait joué une paire de fois place de la mairie, au centre. Là. Et le comité des fêtes s'était rendu compte effectivement qu'il y avait un engouement des estivants. Pour ce genre de manifestation, pour la bonne raison, c'est que le camp d'Agde n'était pas le camp d'Agde. Les boîtes de nuit n'étaient pas les boîtes de nuit maintenant. Et donc, en fait, les terrains de camping ne faisaient pas les animations qu'ils font maintenant à l'intérieur de leur enceinte. Et donc, cette grosse population de Bias pendant 2 mois l'été, il fallait les occuper. Et donc, le comité des fêtes, pendant l'été, étant donné que le terrain de foot était inoccupé, il y avait une immense scène qui était montée, et nous, une fois par semaine, on venait ici et on faisait donc les balles des estivants à Bias. C'était en plein milieu de semaine. C'était pas des week-ends ni quoi que ce soit. C'était en plein milieu de semaine, ça ne contrariait pas donc nos activités que nous avions sur les autres fêtes locales. Ah ouais, mais là, on faisait un monde fou. C'était... Nous, on se prenait un petit peu, je crois, aussi. Bien sûr. C'était les années 70. D'ailleurs, j'ai découvert tout à l'heure le mari d'une groupie de l'époque qui venait nous voir. Et voilà, bon, c'était... Mais il y en avait, bon, ça marchait très fort. Sur ce terrain de foot, on devait faire, je ne sais pas, moi, 2500 ou 3000 personnes. C'était à craquer. C'était plein. C'est-à-dire que quand on arrivait carrément, puisqu'on mangeait à l'extérieur, quand on arrivait, les voitures, pour rentrer dans le salle, il fallait faire le passage. Et nous, on était là, bon, mais c'était... Voilà, bon. À cette époque-là, le public n'était pas averti comme maintenant, puisque la télévision n'aiguisait pas leur œil et leur regard et leurs oreilles. Et donc, dès qu'on leur faisait quelque chose de musique, en musique vivante, ils avaient l'impression qu'effectivement, ils avaient... C'était des discours, en plus. Ah oui, oui, non. Pour sur les paillettes, comme c'était pas possible. Tout était possible. Claude François était de notre monde, et donc, ouais. C'était... Voilà, il y avait François, Hallyday, Sardou, tout ça, c'était... La chanson française marchait très fort. Voilà, bon, et puis, nous, ce qui avait marqué notre déclic, c'est que on a créé l'orchestre en 62. Et donc, au départ, quand on a... Au départ, en 62, on était 7. Mais quand on venait ici, rapidement, l'orchestre est monté à 12 musiciens. Voilà. Rapidement, on avait une structure qui était déjà importante pour maintenant. Maintenant, on est 26. Ouais. Ça a pris encore autre chose, mais il n'y avait pas de filles, c'était que des garçons. Et donc, les troisièmes mi-temps étaient mémorables. Oui, j'imagine. C'était un principe. Voilà. Bon, puis à cette époque-là, déjà, on avait un bus. Et donc, on s'est déplacé avec un bus. Et quand le soir, le troisième mi-temps était trop costaud, on dormait à la bus. D'accord. Et au petit matin, on rentrait à la maison. Bon, c'était voilà. C'était... Et donc, quand on est arrivé sur le marché, les orchestres qui étaient en place, c'était des orchestres qui jouaient très, très latin. Donc, ils faisaient du typique, de l'espagnol, de l'italien, du français. Mais passe au double. Voilà, des cha-cha, des boléros. Ouais. Voilà. C'était très latin. Dans le salon. Voilà. Et quand donc, nous, c'était quelque chose qu'on ne savait pas trop faire, pour la bonne raison, c'est que ce n'était pas une musique de notre génération ni de notre âge. Et on a créé l'orchestre parce que ces orchestres-là ne nous voulaient pas. Ils nous considéraient comme inexpérimentés, sans talent, sans rien. Et donc, on était au départ 7 copains du lycée. On était sortis de l'école de musique de l'harmonie de Pézenas. Et donc, on a dit, bon, mais c'est simple, on va créer notre orchestre. Et les Américains commençaient à apporter des standards qui étaient repris par les artistes yéyés. Ouais. Mais au départ, c'était des morceaux que nous, on avait connus. Ça, c'était notre culture. Et donc, quand on est rentré à pieds joints dans cette musique, c'était une musique de notre génération, qu'on faisait pour un public de notre génération. Donc, il y avait tous les paramètres se correspondaient. Et dans l'affaire de 6 mois,
l'Orchestre Zellner était demandé. On n'allait plus chercher le contrat. Les organisateurs venaient nous chercher parce que chez eux, dans chaque village, leur jeunesse, leurs enfants, du président, de la secrétaire, tout ça, ils disaient, mais il faut Zellner, il y a besoin de tout ça. Et donc, ça marchait très vite. Voilà. C'est là que le comité des fêtes de Villas a dit, mais on a la possibilité là, d'avoir une ressource supplémentaire. Et en plein milieu de semaine, on remplissait le stade, c'était des balles payantes. C'était extraordinaire ça. Vous étiez au cachet ou vous étiez artiste ou... Ah non, on était au cachet. Mais le comité des fêtes, ça lui permettait de faire après des festivités à Villas énormes, puisque tout d'un coup, il était devenu riche. Il ne travaillait pas qu'avec une subvention. C'était pas très cher, je suppose. Ah, plusieurs, voilà. Tout le monde était content. Voilà, bien sûr. Vous bien aviez votre nommé. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Voilà, donc, résumé un peu de mots, le déclic de l'orchestre, ça a été qu'on a été au bon endroit, au bon moment, avec le bon public et le bon âge. Ouais. C'est, tous les paramètres, quand j'ai dit qu'on a eu beaucoup de chance, parce que la chance, ça ne se fabrique pas, la chance, c'est un bouton là-dessus. On essaie de forcer la chance, mais le mineur de fond, il ne peut pas faire du monde en bas, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, moi, à 15 ans, j'ai fait ce métier pour m'amuser. Mon père ne voulait pas que je fasse ça, il m'a tenu à l'école jusqu'à 22 ans. Mais à 15 ans, j'étais chef d'orchestre. J'ai été proposé chef d'orchestre simplement parce que mon père, il avait le téléphone. Et d'accord. C'est bête, ce genre. Tout s'est mis. L'abonnage a fait que voilà. Vous ne pouvez pas faire. On dit, bon, mais tu seras le chef d'orchestre parce que c'est toi qui répondras au téléphone. Au début, c'était pas évident, mais on s'est rapidement pris au jeu. Voilà, et donc. C'est des familles en musique chez vous ou c'est... Mon père était violoniste classique. Ma marraine a été pianiste et mon grand-père paternel était piston. Mais il faut dire une chose, c'est que deux générations avant nous, il y avait le tissu associatif était énorme. Bah, toutes les municipalités avaient ça. Toutes les municipalités, il y avait des harmonies, des fanfares, des clics. Et même dans certains villages, il y avait l'harmonie blanche et l'harmonie rouge. Oui. Comme il y avait l'école libre et l'école laïque, c'était quelque chose de. Et donc, il y avait une pépinière de musiciens énorme. Voilà, c'était. Voilà. D'accord, bon. La famille. Vous attaquez en 62, oui. Il y a eu des périodes où ça devait être un peu plus... Des périodes où le problème c'est que quand on... Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? Quand on change de région, si jamais par exemple je vais demain, que je laisse le Biterrois, la Gatois, et que j'aille sur le Montpellier, le Limois, oui. Obligatoirement, il y a 4 week-ends par mois. Une usine, elle a beaucoup de demandes, elle embauche, elle produit. Oui. Nous, on est limité dans la production. De vos week-ends. Donc, si jamais on vend pendant un été, deux mois d'été, si on vend quatre samedis, quatre week-ends dans l'Hérault côté Montpellier et dans le Gard côté Limoux, c'est facile. Mais dans le petit Hérault Agatois, on va dire, mais cette mer, il n'existe plus. On ne voit plus. C'est un problème, ça. Ouais. Et alors, on s'est rendu compte, effectivement, on avait un bus, on voulait faire des kilomètres, pour la bonne raison, c'est qu'on disait, pour être un orchestre international, il faut aller loin. Et le problème, c'est qu'on se rendait compte que la nature a horreur du vide. Quand on fait un trou quelque part, le vent essaie de le combler, la pluie essaie de combler, et donc on partait, et d'autres orchestres venaient et prenaient notre place. Quand on revenait, tout était à refaire. Il fallait de nouveau refaire un autre trou. Alors on a dit, bon, tout ça, on a gardé le bus pendant 14 ans. À la fin, j'étais seul dans le bus. Parce qu'on allait plus loin, donc chacun venait avec sa voiture comme aujourd'hui. Tous sont venus avec leur voiture. Donc on a vendu le bus, on a acheté des camions. Depuis, on est toujours avec des camions, parce que le matériel, il faut le transporter. Mais on a décidé de ne pas faire de kilomètres. Voilà. On a décidé de cultiver notre jardin. Voilà. Alors, donc, moi, ça a été une politique que j'ai proposé aux musiciens et qui a été de suite accepté, j'ai dit voilà ce qui s'est passé. Ou on monte un programme, on fait durer ce programme et pour éviter qu'il s'use, on est obligé de changer de public et de faire des kilomètres. Ou on décide de ne pas faire de kilomètres, donc on va jouer pour le même public et pour éviter de le lasser, il va falloir que nous, on fasse évoluer très rapidement le programme.
Donc, on a préféré passer du temps en répétition, puisque la musique, c'est notre plaisir, et pour nous, c'est pas quelque chose de contraignant, plutôt que de faire des kilomètres dans de très mauvaises conditions, avec des risques d'accident, la fatigue supplémentaire, le matériel électronique qui n'aime pas trop être transporté, qui préfère rester à demeure. Et donc, toutes les semaines d'hiver, il y a une obligation de 4 morceaux nouveaux par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, il y a une quinzaine de morceaux nouveaux minimum. C'est une obligation. L'orchestre travaille par atelier, c'est-à-dire qu'il y a 5 ateliers. Il y a un atelier vocal, un atelier cuivre, un atelier rythmique, un atelier visuel, danse, et un atelier technique. Chaque atelier est autonome. On donne les morceaux avec les scores à chaque atelier. Chacun travaille à l'intérieur de son atelier à la vitesse et au rythme qu'il veut. Le résultat, c'est que pendant la générale, il faut que tout le monde soit à niveau. Si jamais, par exemple, il y a un flûtiste et que dans les 4 morceaux de cette semaine, il n'y a pas de morceau de flûte, bon, mais lui, il va doubler les parties de sax-sax, ou il va... Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, il va y avoir des semaines où il va y avoir beaucoup de travail pour lui, quoi que ce soit. On ne veut pas savoir. Non, chaque atelier est à une date précise. Voilà. Et quand on arrive à la générale, on prend tous les ateliers, on les met ensemble, et l'orchestre naît. Chaque semaine, on fait renaître l'orchestre. Je suis à mon petit niveau, un petit philosophe et je l'applique. Vous allez comprendre. Quand Michel Sardou a pris une école pour l'accompagner, à cette époque-là, les vedettes parisiennes avaient envie d'avoir des orchestres du Sud, d'être accompagnées par des orchestres du Sud. Johnny Hallyday venait acheter ses Porsche chez les frères Almeras à Montpellier, alors que à Paris, et partout en Europe, il y avait certainement de grands concessionnaires de Porsche. Et Jean-Michel Cacobesso, qui était un trompettiste qui était né dans l'orchestre, qui était monté à Paris, qui jouait pour Hallyday, et qui était à cette époque-là le premier trompette sur le pavé parisien, et qui est toujours le premier trompette sur le pavé parisien. Et donc, un jour, il me téléphone, il me dit, il y a Sardou, qui a pris René pour l'accompagner, et il y a l'impresario de Johnny qui voudrait lui aussi avoir un orchestre du Sud. Alors, si tu veux, tu vas être l'orchestre d'Hallyday, on prendra quelques requins de Paris pour étoffer l'orchestre, pour lui donner une autre dimension, et puis tu seras. J'ai dit, écoute, je vais monter à Paris pour faire une tournée, je vais partir 3 mois avant et je vais revenir un mois après. Je sais ce que je vais laisser chez moi. Je ne sais pas comment je vais le retrouver. Je vais faire mon ménage. Hein. Et puis j'ai dit, à l'heure actuelle, je gagne 1 franc. C'était des francs, c'est pas voilà. Et ça me laisse suffisamment de temps, la vie me laisse suffisamment de temps pour jouir de cette vie pour 1 franc. Tu me proposes de gagner 3 francs, mais la vie ne me laissera pas le temps de jouir de ces 3 francs. Donc, je vais thésauriser, mais je serai malheureux. Je suis un épicurien, j'adore, je suis un jouissif, mais donc, je ne pourrai pas prendre le plaisir que je prends à l'heure actuelle. J'ai dit, laisse-moi tranquille, je suis le premier dans ma région, je ne veux pas être le dernier à la capitale. Et donc, je suis resté là, je suis toujours avec la même épouse, j'ai une famille épanouie autour de moi et je vis de mon plaisir et mon plaisir me permet de bien vivre. Je suis en bonne santé, c'est-à-dire que je n'ai pas, comme à la capitale, touché des substances illicites. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand un soir, j'ai fait une troisième mi-temps un petit peu plus chargée, c'était avec du vin de chez nous qui ne laissait pas des traces et qui ne m'a pas fait sombrer dans une habitude. Et donc, quelque part, j'ai joui de la vie, sans que la vie, même si j'ai pas besoin de partir. Ouais. Donc, c'est ma petite philosophie à moi. Je ne roule pas en Ferrari, je roule avec un monospace parce qu'il me faut prendre du personnel. Je n'ai pas
d'envie démesurée. Et donc, je m'extasie facilement sur un mauvais huilier l'angle d'une maison. Vous voyez ce que je veux dire, je m'extasie de tout dans la nature. Je me promène, j'ai des chiens, j'ai un cheval. Et donc, j'ai des plaisirs sains. Je n'ai pas un cheval pour le mener sur les champs de course et mourir d'une crise cardiaque. C'est voilà. Monsieur Paul Sévenet, non, je m'appelle de vous demander. Non, monsieur, est-ce non. que vous êtes un homme heureux? Je suis heureux. Je fais à 66 ans ce que j'ai fait à 15 ans pour mon plaisir, et je le fais avec le même plaisir. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça que je suis à la retraite depuis 2007. On n'en parle pas. Et je n'ai pas raccroché. Et ben voilà. Vous comprenez ? Et c'est un retraité qui vous a fait relater aujourd'hui. Non, et la retraite, c'est dans la tête des gens, c'est pas mal. Et si jamais on me disait maintenant, bon, il faut que tu t'arrêtes, honnêtement, lâche-le. Parce que quand je suis arrivé à l'âge de la retraite, les huissiers m'ont dit, mais. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, vous pourrez continuer. Je voulais savoir, c'est parce que bon, il faut tout le temps savoir. On va être star, hein, au bout d'un moment. Non, je ne voulais pas. Il semblait que je m'imposais. Mais ils m'ont dit, mais on a beaucoup plus besoin de toi que ce que toi tu as besoin de nous. J'ai dit, non, ne m'ajoutez pas. Tant que ça vous fera plaisir, je serai là pour être le coach de cette formidable équipe, hein, d'accord, mais n'en rajoutez pas, continuez à me donner tous les soirs chef de poule, parce qu'il me donne chef de poule. Parce que je vais vous dire quelque chose, moi quand je descends et que j'écoute, comme tout à l'heure pendant qu'on fait la balance, le musicien qui est sur scène et qui joue, il ne s'entend qu'à 50%, parce que les 50% il est obligé de les concentrer sur son application pour bien faire. Or quand moi je les écoute, 100% je les perçois. Et 100% je jouis de leur talent, de leur qualité. Donc, eux, ils ont des fois des frissons. Mais moi, j'ai vraiment chair de poule. Et pourtant, je les connais par cœur. Tout ce qu'ils font, avant qu'ils le fassent, je sais qu'ils veulent le faire. Mais j'ai envie tous les soirs qu'ils me surprennent. Voilà. Et puis, il y a tous les soirs les quatre morceaux. Les morceaux qu'on a fait à la balance, c'était des morceaux nouveaux. Oui. Comment est-ce que je veux dire, voilà. Donc j'ai regardé pour savoir si on pouvait les offrir au public. Et là, je m'identifie au public. C'est-à-dire que quand on a fini la balance, on joue ces morceaux. Et puis, si je ne suis pas convaincu, hop, il faudra les remettre sur il faudra remettre l'ouvrage sur les chantiers. Voilà. Vous avez une belle équipe. Voilà. Ça marche à ton. Merci. Voilà.